Bonjour à tous! Comme tu peux le constater, il va s'agir d'une vidéo cabellos. Alors nous sommes dans ma salle de bain, ce qui tombe plutôt bien parce que, comme tu peux le constater, il n'y a aucune lumière. Vous avez été beaucoup à me demander comment je faisais mes boucles avec mon sèche-cheveux Remington. Sachant que moi, ma nature de cheveux, c'est une nature de cheveux... Je dirais ondulé plus plus plus. En fait, ils ont vraiment changé de nature. Avant, ils étaient très frisés quand j'étais ado. Après, ils sont devenus ondulés. Bon, après, avec les décos et tout, laisse tomber, ça faisait plus rien. Et là, ils sont en train de reprendre un peu du poil de la bête. Ma serviette n'est pas sale, c'est de la Javel. Du coup, ils refrisent un peu. Et du coup, avec mon embout diffuseur pour les boucles, ça aide beaucoup. Voilà mon installation. Je vais te poser dessus et je vais te montrer comment je fais. Ça va être une vidéo très rapide. Il est 4h moins quart, il faut que j'aille chercher mon petit assistant. Et en même temps surveiller ma minuscule assistante qui est en train d'ouvrir le placard à gâteaux. Oui, je t'ai vu. I see you. Qu'est-ce que tu manges? Espérons. Si tout tombe. Attends, attends. Je te reprends, j'installe, je te reprends. Ouais, il faut que je fasse en sorte que la prise électrique soit libre. Hop, donc là, je t'ai posé sur un Anabac de maths de seconde. Français, Anabac, premier L, premier ES, premier S. Et un truc pour les épreuves pour le CAP Petite Enfance. Donc, je démêle, tu vois, malgré... Il y en a, je sais qu'il y en a qui ont les cheveux frisés et qui démêlent pas leurs cheveux pour pas casser les boucles déjà qui se font sur cheveux mouillés. Au préalable, j'ai lavé mes cheveux avec mon shampoing Nature et Moi. Voilà, c'est le extra doux, douceur brillante. Celui-là, il est super. Le marron pour le volume, ne l'achète pas, c'est une vraie merde. Il graisse les cheveux, enfin, c'est une horreur. Donc celui-là et le rouge pour l'éclat des cheveux, il est pas mal. Sans silicone, sans sulfate, sans parabène, fabriqué en France et non testé sur les animaux. Il est à 3,50€ ou 80€ à, moi je le trouve à Auchan et à Intermarché. Je n'applique pas de machin, truc de chaleur, je n'applique pas de sérum ou de machin avant parce que je trouve que ça graisse le cheveu, que ça rajoute des trucs dessus. Moi je mets rien sur mes cheveux, je mets que dalle. Vois ce que tes cheveux ont besoin, tu vois. Hein. Là, moi, mes cheveux, ils sont un chouïa décolorés sur les pointes. Vraiment un tout petit peu. Là, ils sont naturels. Si t'as les cheveux complètement décolorés, oui, applique quelque chose. Enfin, c'est toi qui vois avec tes cheveux. Moi, je te montre le geste. Et après, toi, tu vois en fonction des soins. Donc, voici la bête. C'est le Remington 3DR qui est déjà super beau. Voici l'embout diffuseur d'air. Donc tu vois, l'air se diffuse partout ici. C'est un petit peu incurvé. Tes mèches, en fait, comme il y a un peu d'air, elles se surélèvent un peu. Et du coup, ça fabrique la boucle. Mais tu vas voir. Donc ça s'emboîte comme ça. Hop. Promenons-nous dans les bois. Oui, c'est ce qu'écoute ma fille en ce moment. Là, tout en avant. Et je mets mon diffuseur ici. Comme ça, pas du tout comme ça. Oh, voilà, je suis obligée de recommencer tout parce que, en fait, à partir du moment où j'ai mis mon sèche-cheveux en route, eh ben, je n'ai pas filmé. Donc là, je vais bien vérifier. Surtout qu'il faut que dans un quart d'heure, je parte de chez moi. Donc ce serait bien que là, ce soit la bonne. Oh my god, je vous avais fait des jolies boucles et tout en plus. Tu sais, alors ça c'est comme par exemple, tu te coiffes chez toi et tout, tu fais le ménage, tu te fais un chignon vite fait et tout rapido, ça fait un méchant truc. Et quand tu dois te refaire ce chignon quand tu sors ou quand machin, et ben le truc c'est horrible. Et ben tu vas voir que là, j'ai pas filmé, c'était trop beau. Et là, je vais filmer, ça va être trop moche. Je suis au bout, je vous jure. J'ai remis mon pull parce qu'il caille, les amis. Et là, tête en avant. On y va.
vois, ça fait des super jolies boucles. Et pour celles qui... Hop. Pour celles qui se diraient, mais c'est sa nature de cheveux et tout. Moi, c'est pas du tout ma nature de cheveux. Si je les sèche comme ça, sans embout, tu vois, juste vite fait. J'ai fait ma vidéo, tu sais, avec la brosse qui fait le brushing, Remington. Et au début de la vidéo, je les ai séchées comme ça, à l'air libre, enfin avec mon sèche-cheveux, sans rien leur faire. Et j'ai pas du tout cette définition de boucle. Alors, deux trucs. Après, moi, je mets rien du tout sur mes cheveux. Je mets pas de texturisant, je mets pas de gel, je mets pas de mousse pour faire les boucles. Du coup, tu vois, ça peut faire des petits cheveux comme ça, qui sont pas tous pris dans les boucles. Mais si, avant de te faire le truc du diffuseur, tu te mets de la mousse pour les boucles et tout, je pense que ça peut faire encore plus défini, tu vois. Moi, j'aime bien quand c'est un peu... quand c'est un peu le bordel dans les cheveux. Donc là, ça me convient très bien. Mais voilà, si tu veux vraiment un truc vraiment défini, vraiment bouclé, avec une mousse, tu sais, les mousses là, pour les cheveux bouclés, et un diffuseur comme ça, franchement, ça te fait une super jolie crinière, quoi. Donc voilà, si t'as les cheveux un peu plus longs que moi, tu fais Shakira easy, mon gars. Sincèrement, ce sèche-cheveux, je le trouve... topissime. Alors, je te mettrai le lien en barre d'infos du truc. Il est, il a un coût, quoi, je veux dire. Mais niveau brushing, il me fait des brushings de ouf. Cheveux souples, cheveux brillants, ça tient super bien. C'est hyper rapide parce qu'il est hyper puissant. Au niveau des boucles, bon bah voilà. Hein, franchement, au diffuseur, ça prend pas longtemps et ça vraiment ça accentue la nature du cheveu. J'adore ce sèche-cheveux. Bon, là, j'ai une tête de con, je ne suis pas coiffée et tout, c'est peut-être pas hyper vendeur. Mais en même temps, voilà, hein, c'est du naturel, du nature peinture. Donc, si t'es un petit peu pomponné, maquillé, le résultat, il est franchement, ça claque, j'adore. Moi, je trouve ça super beau. Et quand je dors dessus, après, tu vois, en général, je me fais ça le soir, je dors dessus et le lendemain, je trouve que c'est encore plus joli. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a plu, t'a aidé parce que, enfin je l'ai fait parce que vous m'avez demandé de vous montrer comment marchait ce diffuseur. Après, je sais que tu peux acheter des diffuseurs tout seul, de taille standard, universelle, qui s'adaptent sur pas mal de sèche-cheveux, mais enfin je sais pas trop. Donc, mais souvent dans les packs comme ça, t'as un diffuseur avec les sèche-cheveux. Voilà, je trouve que ça c'est le top pour rendre, tu vois, booster tes boucles. Voilà, moi en ce moment je suis team cheveux frisés. Dis-moi toi en ce moment dans quelle mouvance tu es. Est-ce que tu es mouvance raide? Est-ce que tu es mouvance wavy? Ou est-ce que tu es mouvance bouclée? Ou est-ce que tu es mouvance cheveux courts, pas de coiffage? Voilà. Je te fais des gros 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 bisous. Je te remercie d'avoir regardé ma vidéo et je te dis à très bientôt dans une prochaine... Je sais pas si tu l'as entendu, mais elle a répondu. Ça y est, elle est au pli, la petite. Mouah.